Au Mali, c'est vrai, le combat démocratique a commencé très tôt. Très tôt, surtout au lendemain du coup d'État de 1968. Les forces progressistes maliennes qui n'ont pas du tout partagé ce qui venait de se passer au Mali se sont organisées différemment. Si nous avions ensuite l'armée malienne qui venait donc de prendre le pouvoir. Donc il a été créé beaucoup de partis clandestins qui ont lutté farouchement pour arriver seulement au bout de quelques années à renverser le pouvoir. En 1991, donc, une grande conférence nationale a été organisée pour réorganiser l'État du Mali, pour adopter une nouvelle constitution, la constitution de la Troisième République, et pour poser les jalons d'une véritable démocratie au plan national. Donc nous avons vite compris que la réussite d'un système démocratique repose surtout sur des institutions très fortes. Il fallait bâtir ces institutions-là. Pourquoi, en dehors donc des institutions donc du multipartisme intégral, il y avait donc l'émergence de beaucoup de partis politiques. Donc il fallait aussi s'attaquer à la mise en place donc, de ces institutions-là. L'une des institutions que nous avons aussi mûrie et réfléchie, qui a été presque un des fondements majeurs de la Troisième République, c'est l'instauration de la décentralisation. Nous avons aussi compris que le pouvoir central, tel que nous l'avons connu jusqu'à cette période-là, n'était pas de nature à permettre un développement équilibré de l'ensemble des composantes nationales. Donc il fallait réfléchir à une politique assez profonde, donc la décentralisation. Ça a été un aspect, en tout cas un choix très fort des institutions de notre République. Nous avons aussi installé l'ensemble des institutions de la République. Nous avons aussi compris que dans notre pays, il y a, à l'issue des élections, à l'issue de chaque élection, il se dégagera toujours une majorité et une opposition. Et très tôt, il fallait réfléchir à doter l'opposition d'un cadre juridique qui lui permet donc de se promouvoir, de faire valoir en tout cas ses positions. Donc, en presque deux décennies, 92-2002, le président Alpha Conde Condé ayant réussi pratiquement la mise en place des institutions de la République, sans que la consolidation devait se faire avec le second régime, le second président de la République, Amadou Toumani Touré. Donc, nous avons été très surpris au bout de cet exercice que nous croyons réussi, parce que ça, il faut se le dire. Nos institutions, comme l'ensemble de la démocratie, apparaît encore très fragile dans nos États. Nous avions été très surpris en le constatant en 2012, quand subitement donc, il y a eu une rébellion donc, qui a envahi le pays et qui est allée donc, à diviser notre pays presque en deux parties. Une partie de deux tiers du territoire national s'est retrouvée entre les mains des groupes rebelles djihadistes terroristes. Donc, ce qui dénote effectivement l'extrême fragilité de ce combat. Ce sur quoi je voudrais peut-être mettre l'accent, c'est moins un peu tout le processus que nous avons connu jusque-là, mais c'est surtout certains défis majeurs. Certains défis majeurs que si nous ne prenons garde, ni les élections, ni même son socle qui doit être la démocratie, ne pourront réussir dans le pays. Et de plus en plus, cela est constatable
quand on sait qu'il y a d'abord un grand problème de déficit de gouvernance générale, il faudrait que nous y pensions et que nous essayions tous les jours de travailler à corriger. Dans le Sahel aujourd'hui, il y a un autre défi de taille, c'est le défi sécuritaire. Sans sécurité, je ne pense même pas qu'il soit capable d'organiser des élections générales ou même de tenter quelques développements possibles. Donc, à ce niveau également, je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons connu depuis un certain nombre d'années, il y a lieu d'apporter là une expertise et veiller à ce que ce défi sécuritaire soit mieux géré. Il y a évidemment, dans le cadre de cette gouvernance-là, le défi lié aussi à la justice, et à l'équité sociale et au développement qui soit nécessaire pour l'émergence d'un État fort. Il est vrai que nos pays sont souvent confrontés à beaucoup de difficultés d'ordre de justice et d'ordre d'équité sociale, ce qui entraîne constamment des remises en cause, des remous sociaux qu'il faudrait pouvoir regarder aussi avec beaucoup d'attention. Il y a un autre défi de taille aujourd'hui, c'est le défi de l'emploi des jeunes surtout. Dans nos pays, nous avons formé beaucoup d'universitaires, pratiquement pareil dans tous les pays, c'est des formations d'élite qui a été le choix. Et ce sont des centaines de milliers de jeunes aujourd'hui diplômés qui sont pratiquement partout dans nos villes, qui ne travaillent pas. Et ça, je dis et je le répète tout le temps, ceci peut constituer une bombe sociale souvent difficile à servir. Il y a un autre problème, un autre défi qui n'est pas des moindres de mon point de vue et qui peut aussi entraîner des remises en cause constantes, même des choix politiques. Des choix politiques, ça c'est des luttes intestines au niveau de notre formation politique. Et vous avez évolué souvent avec des camarades sur des lignes politiques bien tracées. Et à cause des questions de leadership, alors on va souvent jusqu'à se renier de ce qu'on a dit. Et ça aussi, ce sont des questions qui, pour moi, constituent des défis énormes qu'il faudrait relever pour pouvoir réussir dans le pays une très bonne démocratie. Donc, en somme, au terme de 25 ans, exercice démocratique, la situation du Mali se caractérise aussi par une certaine stabilité. Nous tentons autant que nous pouvons pour avoir réussi une bonne partie sur presque 20 ans l'organisation d'élections libres, transparentes, apaisées, mais subitement interrompues par la rébellion. Nous sommes en train, donc, depuis 2012, de travailler à pouvoir réussir la mise en place d'une paix véritable au plan national. Et ceci prend du temps, comme vous le constatez, mais nous nous réjouissons tout de même parce que quand on analyse la nature de la crise qui a frappé le Mali, nous avons effectivement pensé que cette crise pouvait être enclenchée pour beaucoup d'années. Mais grâce à l'engagement et à la vigilance de tout le peuple malien, nous sommes en train de mettre en œuvre l'accord qui a été signé entre le gouvernement et donc les partenaires. Donc, ceci est en cours, une mise en œuvre des dispositions de cet accord sont en cours. Et aujourd'hui, nous pouvons espérer que dans un bref délai, donc, nous allons pouvoir terminer ce processus ou en tout cas la mise en cela d'ailleurs, il est prévu à Bamako déjà le lundi prochain, le 27, l'ouverture de la conférence nationale d'enfance qui va réunir l'ensemble des composantes nationales de notre pays et permettre de tisser une branche cordiale, amicale entre toutes ces composantes-là
afin d'arriver à l'élaboration d'un pacte, une charte sur la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Je voudrais pour terminer dire avec force que le processus démocratique, c'est vrai, c'est un combat, mais c'est aussi une très bonne démocratie. On ne peut réussir une bonne démocratie que sur un socle d'une très bonne gouvernance politique, un développement harmonieux, équilibré, avec effectivement beaucoup de justice sociale. Sur ça, je voudrais donc terminer.